Je suis Sidiki Diabaté. On est ici à l'arrondissement central, commission de distribution des cartouches. Depuis le mois de septembre, décision Bola a une carte de distribution d'amener. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, on a fait un feu sur la cola. Un démarche qui a manqué dans la calme, mais jusqu'à preuve du contraire, là où nous en sommes aujourd'hui. Un baraque façonné en sonna, en sabali, en yamounou, pour qu'on a ces caloroma qui le voient. C'est pourquoi un faralagnon campi, assemblée générale, là, un faralagnon camp, canyon hakilina taïmini, mouna, barain, un baramique à ban, un meseka à moussaka sort, tovamina, un baramique à un seka saraso. Oh, n'a manière pour barabe continuer, tout ni, un me barainque, condition d'or de camp. Basi d'Oreca, en bas que car dans Wati Djoumé, en bas que y a là un sarai djoulié par jour ou bien un sarai djoulié kalokon. En nana, en yon 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 de kebika ban, nga yon yon ma ban, démarche ma ban, un démarche tchamange, faut qu'on a blabi là. Pour nous, c'est là tchen tchen ma bi. En on nana fara yon yon ka, en me fait ka barablay, en me fait ka consommer, ni Wati. Antena barawere ke min kofe ni damado anga kola anyo nana o no ye de la pi donc barain temene kofe ame min nyini anga nyamo kofe localement ou ka démarche nous entamer tout le pour que war nous mbese ka so to pali sungalo sera et du tout bana muso bo minu ka deme pour ka duta en charge pendant 6 mois de baraina à suite il te casso à ko wari kola. Donc, au cas de la djè, au cas de la djè, animé kaka, au cas de diam, en fin de diamana d'endotte, quand il tire à ses autorités, au cas de tabi, en accueil de carmoumoubana, kanyashi ouma, au cas de taka la bala, yanni sungaloche, en boulot à ses cadangs, moussaka moumouka, no kara, au rabais d'offre à diamana rechi, à bientôt beaucoup, salam. Bonjour. Bonjour monsieur Daouda Sangaré. Bonjour M. Daouda Traoré. Oui. Donc vous avez le collectif des bouleurs de Sigasso. Oui. Qu'on appelle Kenyblo. Okay. Donc nous avons pris l'information par rapport à votre réunion de ce matin. Oui, oui. Donc nous souhaiterons connaître quels sont les objectifs. Bonjour, moi c'est Dada Malik Traoré, je suis le président de la commission de distribution des cartes biométriques au niveau des Bangoni. En réalité, aujourd'hui, nous avons organisé une assemblée générale, maintenant pour parler vraiment de nos conditions et de la situation dont on se trouve. On a commencé ce travail-là il y a à peu près depuis le mois de septembre, on a commencé cette activité. En vrai dire, on a commencé les activités sans connaître les conditions ni les modalités aussi de la distribution. En tout, en tant que citoyen, en tant que Sigassois, on a commencé les activités dans ces conditions-là. À 3 mois après, on a saisi nos autorités compétentes, en réalité, pour statuer sur nos conditions de travail ainsi que les paiements de nos motivations. Donc, on n'a pas eu de suite favorable. Et aujourd'hui, on a 6 mois, on travaille dans des conditions très très difficiles. Il n'y a même pas d'assistance. On passe toute la journée devant les chefs de quartier, devant la maison des chefs de quartier. Maintenant, sous la chaleur, tout dans la première main, on a continué ce travail-là pour satisfaire la communauté de Sigasso ainsi que notre population qui sont notre frère. Mais vu que le temps est en train de dépasser, on est à 6 mois, il n'y a pas eu de motivation ni les mesures d'accompagnement. C'est pourquoi on a organisé cet AG-là pour trouver une directive et prendre une décision à la situation. C'est pourquoi on a aujourd'hui, ce matin, on a réuni tous les agents distributeurs de cartes biométriques. Donc maintenant, on a statué là-dessus d'arrêter les activités dans les jours à venir. Mais on va respecter toutes les conditions et toutes les modalités des démarches qu'on est en train d'entreprendre. C'est ce que j'ai à dire. Quelles sont les démarches que vous avez entreprises? Bon, les démarches entreprises ont été, comme notre tutelle directement, c'est la préfecture de Sigasso, sur décision qu'ils nous ont pris comme les agents de commission. Donc, à 3 mois, on les a saisis concernant notre situation.
Vraiment, ils ont dit qu'ils sont en train de faire des démarches. Vraiment, ils sont en train de faire des petites des démarches au niveau de nos autorités. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas abouti.